Dans les régions sauvages du Pérou, le caïman est le premier prédateur. Mais ses voisines, les loutres géantes, ne cèdent pas à la panique. En recourant au travail d'équipe, certaines loutres le défient du regard, en se rapprochant de ses puissantes mâchoires, pendant que d'autres l'attaquent par l'arrière, inlassablement. Le caïman recule, mais n'abandonne pas pour autant. C'est un observateur aguerri. Une menace flottante qui attend que quelque chose soit à portée de patte. Il se repositionne habilement et fait face à la tanière des loutres, en laissant certains adultes et adolescents loin derrière. Les loutres attaquent à nouveau l'intrus de toutes parts en espérant l'effrayer. Mais il ne capitulera pas sans une confrontation. Et c'est maintenant un combat à mort qui se joue. Les loutres poussent le caïman dans la végétation avant de l'encercler tout en continuant de l'attaquer. Le caïman tente de se libérer, mais échoue.